Bonjour, bonjour. Arrivez, arrivez. Bonjour, Claude Akam. Bonjour, Adeline. Bonjour, bonjour, c'est comment? Arrivé, non? Nicolas va bien. Je suis désolée, hein? J'ai eu un petit retard, des petits contretemps de dernière minute là. Nicolas est un petit peu malade. Comme il y a un changement de climat, j'espère que vous m'entendez, hein? Comme il y a un changement de climat, donc il a attrapé froid. Il a attrapé froid et il a été pris par la gorge et tout ça. Donc du coup, la matinée a été un peu bousculée par certaines petites choses, quoi. Donc je suis désolée par rapport à l'heure que j'ai donnée tout à l'heure. La première heure qui était 14h, heure de Paris, heure de France. Et puis, je me suis encore excusée pour 30 minutes. De m'accorder 30 minutes de plus. Donc je pense que là je suis à l'heure. Arrivé, arrivé. Dès qu'on atteint 200, moi je commence. La Galloise. Francesca. Aïdjo, vous n'entendez pas. Mireille Boutou, bonsoir ma chérie. Josué, bonsoir ma puce. Audrey, Cara. Didier était qui? Bonsoir, vous m'entendez non? Donc parle plus fort. Oui, madame, bonjour. Aïe. Là, vous m'entendez? Ok. Vous m'entendez? Bon, on est déjà à 200. Je pense que c'est largement suffisant. Les autres viendront écouter après. Bon, voilà. Bonjour à tous. Bonjour à toute la famille, bonjour à la team. Bonjour à tout le monde. Alors, je viens ici faire cette vidéo pour apporter un petit éclaircissement. D'accord? Certains éclaircissements. Parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées tout récemment. Il y a eu des choses. Il y a eu des incompréhensions. Il y a eu pas mal de choses. Et je viens apporter certains éclaircissements. Vous savez, moi je suis déjà à fond. Hein. Vous dites que vous n'entendez pas bien. Je dois crier ou quoi? Oui, le son est parfait. Ok. Claude Akam, le son va bien. Vous m'entendez là? Hein? Est-ce qu'il y en a qui entendent, d'autres qui n'entendent pas? Dites-moi, c'est bon? Le loup de soleil, c'est bon? Lily Bokam, bonjour. Donc, voilà, je vais commencer. Je vous disais tantôt que on est une team. D'accord? Donc, quand on est une team, ça veut dire famille. Et quand on est une famille dans notre team, qui est les pédégistes, on est une famille. Et dans cette famille, il y a un leader. Dans cette famille, il y a un leader. Et il y a les piliers.
Il y a les piliers. Dans cette famille, il y a un leader, il y a des piliers, il y a les abeilles. Donc, il se trouve que il y a des mésententes, il y a des malentendus, il y a des incompréhensions, il y a des frustrations. À ce moment-là, j'apporte un éclaircissement. Alors, je vais commencer à m'adresser à ma sœur, parce que je me dis que quand on est une famille, le linge sale se lave en famille, malgré les problèmes qu'il y a eu. Vous êtes nombreux à nous regarder. Vous êtes nombreux à nous apprécier. Vous êtes nombreux, des fois même, à nous porter des critiques. Et c'est tout à fait normal. Nous sommes une team soudée. Donc, quand il y a une incompréhension, quand ça ne va pas, on s'assoit et on discute. Je pense que jusqu'ici, c'était encore le cas. Parce que je m'adresse à ma sœur, à ma grande sœur, Nathalie Babalé. Je m'adresse à elle. Je m'adresse à toi. J'apporte un éclaircissement par rapport au voyage du Canada, par rapport au Misunga, le fameux or noir. D'accord? J'apporte tous ces éclaircissements. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais citer quelques-uns qui vont réveiller quand même nos esprits. Parce que je me dis que on n'est pas forcément aimé par tout le monde. Tout le monde ne peut pas m'apprécier. Tout le monde ne peut pas m'aimer. Mais il y a des gens qui sont là, qui sont sincères. Moi, pareil. Il y a des gens qui sont là, qui nous aiment pour rien. Et quand ils nous voient se déchirer comme ça, c'est tout à fait normal que on amène quelques éclaircissements. J'ai eu à me concerter suite à ce problème dont le Misunga que Nathalie a eu à publier. On s'est concerté, c'était quand avant-hier. On a eu à discuter, on a eu à parler. Vous savez, il y a déjà des affinités. Il y a déjà des affinités. Il y a eu déjà des confidences. Il y a eu déjà dans la team même. Déjà dans la team. Hormis le fait qu'il y a des abeilles. Mais nous-mêmes déjà, il y a des affinités. Donc c'est très sensible. C'est très sensible. J'ai fait part de mes frustrations à ma sœur. Je lui ai fait part de mes frustrations. Je lui ai dit, je n'ai pas manifesté sur la toile. Je l'ai appelée, on a discuté longuement. Et quand on a discuté longuement, je lui ai fait part, on en a discuté. Il y a eu des choses qui se sont dites. Je ne peux pas venir m'asseoir et tirer sur elle. Mais alors, si je viens répondre sur la toile comme ça, parce que je suis restée tranquille. Je n'ai rien dit. J'étais dans mon calme. Je vous rappelle que hier, quand il y a eu des pics qui se lançaient de gauche à droite, j'ai été piratée 3 fois. J'ai été piratée 3 fois. Je ne sais pas pourquoi. Parce que j'étais occupée dans la journée. J'avais des choses à faire. Et j'ai été occupée. Et au moment où... Parce que c'est normal, il faut venir prendre des nouvelles, savoir ce qui se passe sur la toile. Je constate qu'on essaye de me pirater. Donc j'ai changé mon code 3 fois. Parce qu'il y avait des gens qui se sont connectés sur un autre poste. Donc Facebook me demandait si j'accorde ou pas. Donc par rapport à ces frustrations, par rapport à tout ça, qui se sont dit, c'est-à-dire que ma sœur et moi, on est arrivé à un moment donné où, si on a quelque chose à se dire, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique
comme elle peut m'appeler, comme moi je peux l'appeler. Alors ce que je n'admets pas, et je le répète, ce que je n'admets pas, c'est le fait que ce qui a été dit, elle et moi, avant-hier, vienne se transformer en faux profil. Parce qu'il y a quand même certains détails que tu sais que quand tu causes avec quelqu'un, il y a quand même certains détails qu'il ne faut pas négliger. D'accord? Donc pour moi, c'était une honte. Je ne vais pas venir m'asseoir pour commencer à faire un spectacle avec ma grande sœur, en sachant qu'on est une team soudée. Nous sommes des sœurs. Donc quand on discute, on parle, et que ça vienne être des balles sur Facebook, ça, j'ai préféré moi boire ça et rester tranquille. Donc j'ai préféré moi mon silence. Maintenant, ma petite sœur a fait un post. Quand elle a fait le post, je n'étais pas d'accord. Pourquoi? Parce que par rapport à ce qui s'est dit, qu'elle a eu à entendre, qu'elle a eu à lire, elle est sur la toile, elle voit comme moi. On ne réagit pas pareil. Moi, je suis peut-être restée calme. Mais elle, elle n'a pas supporté. Nathalie, nous sommes déjà une famille. J'ai gueulé sur ma jolie. J'ai crié sur elle. Je lui ai dit que non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Parce que ça va être mal vu. Mais ma jolie a dit qu'il fallait qu'elle exprime aussi sa part de mécontentement. Tu aurais pu appeler ton téléphone ici et lui dire que bon, écoute ma jolie, non, c'est pas bon. Enlève. Bon, là n'est même pas le problème. Il y a eu des postes qui ont commencé à fuser de partout. Des commentaires que toi et moi, on a eu à discuter de partout. Soit tu te transformes en faux profil. Ou soit tu causes un inbox avec ces faux profils. Parce que moi, j'aimerais comprendre. Bon, maintenant, jusque-là, je me dis que non, je reste tranquille. Est-ce le poste de ma jolie qui t'a frustré? Mais pourquoi? Entre-temps, moi, je suis en train de faire mes courses. Je ne sais pas ce qui se passe. Qui est Corinne Berthier? Qui est Flora White? On me dit que Flora White est en train d'insulter, a fini d'insulter Nathalie Babalé. Et que c'est moi qui l'ai envoyée. Je ne peux pas admettre ça. Vous-même, vous savez très bien que quand il y a une situation comme ça, c'est moi qui suis la première à calmer. Je n'avais pas accès à mon Facebook. Je n'avais pas accès. Donc, c'est allé très vite. On s'est concerté entre nous. On s'est appelé entre nous les piliers de la team pour demander à ce qu'on arrête. On s'est concerté. Mais moi, tout ce que j'attendais, c'était que le calme revienne. Parce que parfois, on se dit que quand on peut être énervé, que tu peux être énervé au moment où tu es calme. C'est à ce moment que, bon, le silence permet des fois de se ressaisir. On est toutes les deux dans la... On est toutes les deux dans la merde. La merde que je dis, c'est que tu as ta part de responsabilité là-dedans, j'ai la mienne. Parce qu'il est inadmissible que toi et moi, on finit de causer. On cause de certaines choses, de nos causeries habituelles. Et maintenant, ça se retrouve, bon, maintenant, ça se transforme en faux profil et on vient me balancer ça. Quand je suis arrivée au Canada, c'est Flo qui m'appelle. Flo m'appelle, elle me dit que Tata Doudou, il y a un contrat pour toi. Le Misunga, c'est mon concept.
Il faut qu'on soit bien clair là-dessus. C'est mon concept. Je n'ai pas créé le Minsunga. Le Minsunga, ça existe déjà depuis. Comme toute autre nourriture traditionnelle. Mais moi, je fais dans la nourriture traditionnelle. J'ai souvent fait à manger et posté. Ce n'est pas la première fois. Mais le Minsunga, c'est quelque chose que moi, j'ai valorisé. J'ai remis ça. J'ai remis ça. J'ai remis ça. Il y a des gens qui vendent le Minsunga. Mais le Minsunga de Tata Doudou n'est pas comme le Minsunga des autres. C'est moi qui crée mon mythe là-dedans. Quand je fais mes posts, quand je fais mes publications, je crée mon mythe là-dedans. C'est ça qui fait en sorte que on m'appelle de partout. Il y a des commandes, il y a des ceci. D'où le voyage du Canada. Et quand j'arrive au Canada, il faut bien comprendre que c'est un faux profil qui met en place. Pourquoi? Parce que Nathalie est faite dans l'événementiel. Ce n'est pas un clash. J'apporte des éclaircissements. Nathalie fait dans l'événementiel. Elle a des soirées où elle fait souvent viande de piment. Et dans cette viande de piment, voilà, c'était l'occasion où voilà, Tata Doudou peut venir. Et puis un faux profil qui m'a acheté le billet d'avion pour que je m'y rende. On est d'accord. Je ne suis pas partie avec une idée que je m'en vais faire le Minsunga là-bas. Je vais pas à pas. Je ne suis pas allée faire le Minsunga que je vais aller travailler le Minsunga. Non. Je suis partie dans la soirée comme quoi j'étais invitée principale avec mon Minsunga. Donc quand j'arrive sur place, on était déjà en train de travailler là-dessus et de pourquoi et tout. J'ai eu quelques difficultés même parce que je me suis déplacée avec. Bref. Ça a dérangé un petit peu au niveau de la douane et tout ça là. Mais maintenant, j'arrive sur place avec le Minsunga. On travaille ensemble. Je suis dans un pays où je ne connais pas. Je suis dans un pays où je ne connais pas. Je suis dans un pays où je travaille mon Minsunga. Si c'est ici en France, je saurai comment je vais aller chercher des choses et tout de gauche à droite et tout ça là. Mais quand j'arrive sur place, hein, elle est là. Elle m'accueille. Ça se passe très bien. On fait le Minsunga ensemble. Quand je dis qu'on fait le Minsunga ensemble, c'est dans le sens où elle m'offre sa maison. Elle m'offre son hospitalité. Elle m'offre tout ce dont elle a, tout ce qui peut me mettre à l'aise. Et je travaille le Minsunga. Et la soirée se passe très bien. Je suis venue pour la soirée viande et piment. La demande était tellement fructueuse. La demande était tellement énorme que les gens se sont déplacés de partout parce que le Minsunga, j'ai fait ça comme un mythe. C'est mon concept. Donc, je l'ai travaillé. C'est mon concept, je l'ai travaillé. Donc, quand je suis arrivée là-bas, elle avait déjà mis sur pied certaines choses qu'on travaillait déjà ensemble. Elle s'est prise en avance. C'est normal puisque moi, j'étais celle qui vient pour... Je viens pour représenter le Minsunga. Et c'est normal, c'est moi qui suis ma Minsunga. On a fait une partie qui a été vendue. Et l'autre partie qu'on devait offrir. Mais on avait des problèmes au niveau des boyaux. Parce qu'il y avait des boyaux que certains étaient chers. Bon, bref. On a fait le Minsunga, on a vendu pour la soirée. On a vendu pour la soirée. Donc, tellement les Minsunga sont finis, parce qu'il y avait autre chose qu'elle avait apprêté, d'autres viandes et tout, qu'elle avait apprêté, le porc, le machin, les brochettes et tout, les beignets, bref. Mais le Minsunga, beaucoup de gens sont venus. Ils ont fini de manger le Minsunga. Et il y avait d'autres qui voulaient donc. La demande était foutueuse. Je suis chez quelqu'un que je ne peux pas venir me prononcer. Elle m'a dit, ma petite sœur, on va faire le Minsunga. Quand on a fait le Minsunga, ça s'est passé très bien. Vous-même, vous voyez les vidéos. Elle m'a donné son hospitalité. C'est-à-dire que j'ai exprimé, moi, au plus profond de moi, ce que je ressentais. Parce que j'étais à l'aise. Elle m'a donné cette opportunité de pouvoir faire le Minsunga. Pouvoir revendre.
pour pouvoir revendre. Alors, quand j'ai vendu, ce qu'elle a oublié de dire dans les commentaires que je dois venir expliquer là tout à l'heure, ce qu'elle a oublié de dire, c'était que on a partagé. J'ai demandé à ce qu'on partage. Parce qu'après avoir enlevé les charges, elle est venue me montrer que bon, voilà, c'est ça. On a partagé, j'ai demandé qu'on partage. Parce que c'est tout à fait normal que tu arrives chez quelqu'un, la personne t'offre son hospitalité, on monte, on descend, l'essence, les ceci, les cela et tout. Je n'ai pas sorti même un 5 francs. Mais il y avait déjà quelque chose qui nous produisait de l'argent. Parce qu'il y avait la demande. Les gens demandaient. Les gens demandaient. Moi, c'est une honte que je vienne là m'asseoir. Que je vienne m'asseoir, que je sois obligée de venir m'expliquer, de venir apporter certains éclaircissements. Moi, j'ai honte de ça. Si vous n'avez pas honte, moi, j'ai honte. J'apporte certains détails. Il y a eu des affinités. Il y a même encore. Il y a eu des affinités. Il y a eu des confidences. Il y a eu des complicités. Il y a eu des complicités. Donc, je ne peux pas faire que, au moment où je suis en train de partir, au moment où je suis en train de partir, je ne peux pas faire que, on m'offre cette hospitalité-là, moi avec ma conscience, moi avec ma bonne foi. Je ne suis venu avec un seul cœur. Je ne suis même pas venu avec l'intention de venir vendre le Misonga après. Puisqu'il fallait déjà arriver sur place et voir. Le Misonga, ce n'est pas quelque chose. Il faut de l'espace. Il faut de l'espace. Il faut savoir le traiter. Il faut savoir le traiter. Il faut avoir de l'espace. Ça demande beaucoup d'énergie. Mais elle m'a dit qu'il n'y a pas de souci, ma soeur. On va le faire ensemble. Et on a fait. Pourquoi ça vient ressortir là que j'ai été invité, hébergé, nourri, logé et tout ça là. Et j'apporte l'ingratitude sur la toile. C'est cet éclaircissement comme détail que je voulais d'abord apporter. On a partagé l'argent. J'ai demandé à ce qu'on partage. Parce que quand les commandes arrivaient, j'envoyais toutes les commandes chez elle. J'envoyais toutes les commandes chez elle. C'est elle qui percevait de l'argent. Même si quelqu'un arrivait pour venir me donner l'argent, du Misonga et tout, je lui dis, prends. Donc, il y a eu tout cet auto-là. Avec tout cet auto-là, elle a défalqué au moment de partir. Quand il me restait quelques jours. Au moment de partir, c'est là où elle est venue me dire, ma petite soeur, voilà ce qui s'est passé. Voilà la somme qu'il y a eu avec tout ce qui a été défalqué et tout. Voilà le reste. Je lui ai dit, tu sais quoi? Tu m'as accueilli chez toi avec tout ce qu'il y a eu. Vraiment, je suis très contente. Merci beaucoup. Merci beaucoup et je continue toujours à remercier. Parce que offrir cette opportunité, moi-même, si je n'ai pas pu honorer à certains Misonga, à certaines commandes, c'est parce que moi-même, je me sentais déjà gênée. À la maison, avec les enfants, le mari et tout. Si c'est chez moi, je sais comment je traite. Mais quand tu vas chez quelqu'un, j'étais déjà mal à l'aise. J'étais vraiment déjà mal à l'aise. Donc, je ne pouvais plus assurer. On a eu à discuter longuement. Il y a eu des choses qui se sont dites. On a eu à parler. Il y a eu des confidences. Je ne peux pas venir sur la toile pour venir m'expliquer. Je n'ai pas d'explication à donner, mais j'apporte des éclaircissements. Parce que quand vous faites certains postes, ce sont des postes qui m'ont fait amener, des postes qui ont été dits. Que quand tu discutes avec quelqu'un, on en a parlé avant-hier. Pourquoi ça arrive comme ça là? Pourquoi on ne peut pas s'asseoir et discuter? Moi j'attends cette ouverture qu'on puisse discuter. Pourquoi tout ce qu'il y a comme problème, il faut toujours qu'on amène ça sur la toile? C'est comme ça que les faux profils avaient fait. Le problème qu'il y a eu là-bas au Canada, quand je suis arrivé au Canada, moi, je ne connais ni Adam ni Dev. Le problème qui se passe au Canada, avec tous ces problèmes qu'il y a eu là-bas au Canada, je me retrouve dans une situation où il faut que moi, je vienne.
Il faut que je vienne m'asseoir sur Facebook pour expliquer les photos d'un tuy. Moi, je sors d'où? Dans un tuy là-dedans. Je me suis retrouvée là-dedans. Je me suis laissée embarquer là-dedans. Mais j'ai amené mais tout, je ne sais pas. Je ne sais pas. On en a discuté. Mes projets. J'avais des projets. J'avais des projets que toi-même tu savais. Puisqu'on se, on se faisait des confiance. On discutait. Donc tu as quand même des choses que toi-même tu sais que si on s'assoit pour venir faire le spectacle sur la toile, moi ça me désole. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Ça me désole. On ne va pas venir commencer à se crêper les chignons sur Facebook. On ne va pas venir commencer à venir. Je n'ai pas d'explication à donner aux gens. Je n'ai pas d'explication. Je veux seulement juste faire comprendre que mon état d'esprit, tu étais au courant de certaines choses. Tu étais au courant qu'il y avait quand même, il y avait des choses mises en place. Qui m'a invité? Qui m'a invité? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Il y a eu des familles, il y a eu ceci, il y a eu cela, il y a tout ça. Moi, je tiens compte de tout ça. Hein? Moi, je tiens compte de tout ça. Moi, je ne peux pas aller loin. Mais quand même, il y a cette... moi aussi, je peux m'énerver. Je peux aussi m'énerver. Mais ce n'est pas comme ça, ce n'est pas sur la toile. Je suis désolée, ce n'est pas sur la toile que ça va venir se passer. J'ai mon concept. J'ai mon concept. Mon concept est que j'ai travaillé sur ça. Je ne discute avec personne. Je ne discute avec personne. En parlant de la vidéo, en parlant de la vidéo qui est en train de circuler, la vidéo dit quoi? Nous tous on comprend bien français. Hein? La vidéo dit quoi? La vidéo est en train de dire que c'était les dernières commandes. Je n'ai pas pu honorer aux dernières commandes parce qu'il y en avait tellement. Quand je parle de la vidéo, réécoutez bien cette vidéo et je le stipule bien au départ parce que je suis en train de remercier. Je suis en train de remercier. La vidéo est en train de dire que... j'ai des dernières commandes que je ne pouvais plus honorer. Pourquoi? Parce que... non seulement il y avait trop de travail et qu'il y avait trop de demandes. Il y avait trop de travail, il y avait trop de demandes. Elle m'a offert cette opportunité de pouvoir faire le Minsonga. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Mais je ne pouvais pas exagérer. Elle-même, elle le sait. Je ne pouvais pas exagérer. Je ne vais pas venir m'accaparer parce que je veux montrer que j'ai besoin d'argent. Non. Je lui ai autorisé à le faire pour des commandes qui était en cours. Je lui ai autorisé pour faire des commandes qui étaient en cours. Mais avec des projets qu'il y avait, elle le savait. Elle le savait. Moi, je vais m'arrêter là. Je ne peux pas venir... je ne peux pas, j'ai honte.
Si vous, vous n'avez pas honte, mais moi, ça me... Ça me dérange beaucoup pour ces éclaircissements. Je pense que j'aurais même dû rester calme dans mon coin et puis laisser passer que le mauvais vent la passe. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est mon concept. C'est mon concept. Je suis dans mon concept. Je suis dans mon Misunga. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses. Et c'est vraiment dommage. Voilà. Je préfère en arrêter là. À plus tard.